Ça y est, 70 heures plus tard, j'ai enfin terminé Cyberpunk 2077 et j'avais envie de vous en parler dans une vidéo que je lui dédie, une vidéo test pour vous expliquer pourquoi, selon moi, ce Cyberpunk 2077 est un chef-d'œuvre vidéoludique. Alors, à titre personnel, je me sens vide de toute substance et satisfait, comme si j'avais fait un trek de 2 semaines dans un Los Angeles futuriste et gangréné. Alors oui, sur le papier, la perspective n'a pas l'air très alléchante, mais c'était sûrement l'un des plus beaux voyages vidéoludiques que j'ai pu faire de ma vie. Alors dans cette vidéo, je ne mentionnerai aucun spoiler d'histoire. Au niveau du gameplay que vous allez voir en fond, ça sera du free roam dans la ville de Night City. Ne vous inquiétez pas pour ce qui est de découvrir des pans essentiels de l'histoire. Et pour ceux qui ne voudraient pas regarder cette vidéo en entier parce que vous êtes pressés et que la vie vous presse, je vais vous la résumer très rapidement en 3 points. Oui, c'est un chef-d'œuvre et vous devriez vraiment y jouer si vous voulez découvrir une œuvre majeure du paysage vidéoludique actuel. Mais je vous recommande aussi d'attendre quelques temps et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, il y a des bugs pénibles qu'il faut corriger, il y a des pans entiers du jeu franchement désastreux que j'ai du mal à voir corriger dans le futur, comme l'intelligence artificielle des ennemis, on en parlera aussi. Le troisième point, c'est que j'ai joué au jeu sur PC, j'avais une 3090, un 10900K, les graphismes au maximum. Et clairement, je vous le dis, le fait de jouer sur une configuration maxée a beaucoup, beaucoup joué sur mon plaisir de jeu, le facteur d'immersion qui est très fort sur Cyberpunk, parce que voilà, sur Cyberpunk, les amis, le mot d'ordre, il commence par I et c'est l'immersion. Si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et on est parti du coup pour cette review. Pour commencer, je vais vous parler de ce qu'il y a de plus fort sur Cyberpunk 2077 selon moi, c'est l'immersion avec un I majuscule. Le monde, Night City, cette ville absolument extraordinaire, granuleuse, c'est une beauté sourde, équilibrée, envoûtante. Les quartiers nus à Night City sont à couper le souffle, honnêtement. Et encore une fois, quand on joue sur une config next-gen, quand on joue sur un PC, quand on voit ces ruelles, ces jeux de lumière avec le ray tracing, c'est vraiment l'impression de se balader dans Night City et peut-être même d'expérimenter limite des tableaux à chaque détour et à chaque ruelle dans certains quartiers de la ville. C'est vraiment extra. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai vu des images du jeu tourné sur PlayStation 4, FAT. C'est à des années-lumière de ce qu'on peut expérimenter sur PC. Et ma recommandation personnelle, à moins que vous soyez hyper fan et que vous soyez hyper pressé, c'est peut-être d'attendre qu'éventuellement un jour vous puissiez vous prendre un PC ou une PlayStation ou une Xbox Series X pour pouvoir profiter du jeu sur version next-gen. Je pense vraiment que jouer à Cyberpunk dans des conditions où vous avez en fait des graphismes au max les plus adaptés à votre console, ça va aider. Moi, je vous le dis, je pense que si j'avais joué au jeu sur PlayStation 4 FAT, j'aurais pas tenu 2 heures à en voir les images que j'ai vues sur Internet. Je vous le dis de façon tout à fait transparente. Je peux comprendre complètement que les gens se sentent offusqués et lésés d'avoir acheté ce jeu sur PS4 FAT. J'y reviendrai en fin de vidéo, mais je pense que ça a été une erreur d'un point de vue marketing que de sortir ce jeu sur les générations précédentes, même si c'était certainement quelque chose de nécessaire dans l'ordre des choses pour vendre le jeu et pour satisfaire les investisseurs. On en parlera en fin de vidéo, c'est pas le sujet de la vidéo tout de suite. Le monde, du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché, j'avais vraiment l'impression d'y être, et même après 70 heures de jeu en stream, je vais continuer d'essayer de 100% le jeu parce que j'ai envie de voir toutes les ruelles du jeu. Alors, j'ai terminé toutes les quêtes secondaires, j'ai terminé toutes les quêtes principales, j'ai terminé plus de la moitié des contrats, je vous expliquerai un petit peu comment ça se déroule. Il me reste en fait des événements un peu aléatoires sur la map où il n'y a pas vraiment d'histoire, mais des interactions, par exemple des gangs qu'il va falloir éliminer pour la police. Et j'ai vraiment envie de tout voir et je vais continuer d'y jouer parce que c'est juste excellent. Au niveau des graphismes, vous le voyez à l'image, quand on joue sur PC, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense pas que j'ai vraiment besoin de vous expliquer à quel point ce jeu est beau quand on a la config qui va avec. Un des trucs qui n'est pas revenu souvent dans les revues que j'avais lues au moment où j'avais fait ma revue de presse, c'était le son. Je veux dire que franchement, Cyberpunk 2077, y jouer au casque, c'est l'impression d'être vraiment immergé dans le jeu et je dois vraiment tirer mon chapeau aux équipes de CD Projekt Red parce que honnêtement, le mix du son, la spatialisation, les détails qui ont été mis pour faire des sons d'ambiance intéressants, pour vous expliquer que quand vous êtes dans une boîte de nuit, vous êtes derrière un mur, vous entendez
le bruit de la musique, les gens qui chuchotent, etc. dans les halls, c'est extraordinaire. Et franchement, c'est un truc qui m'a beaucoup frappé, moi qui suis globalement assez sensible quand même au design sonore des jeux. Je pense que c'est un truc sur lequel on ne peut absolument rien dire. C'est royal. Et franchement, GG à eux. Pour finir de parler de l'immersion, je suis obligé de vous parler des protagonistes. À différencier avec les protagonistes de l'histoire principale, j'ai envie de vous parler des protagonistes des histoires secondaires. Tous les personnages que vous allez rencontrer et avec lesquels vous allez passer un petit peu de temps sont vraiment super bien écrits, ont des aspérités, sont pas lisses. On a l'impression d'être avec des vraies personnes qui ont une vie et qui existent dans Night City malgré vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez brillant sur Cyberpunk, c'est que on peut faire une quête, par exemple, pour un personnage. La quête se finit parfois de façon un peu abrupte, mais comme dans la vraie vie, par exemple, on remplit un contrat, ce contrat se termine, et on n'a pas forcément l'information de ce qui se passe ensuite. Et je pense notamment à une série de quêtes dont je vais pas vous spoiler ici, bien sûr, mais qui m'a vraiment marqué dans ce sens-là, où on fait une quête, on a envie d'en savoir plus, mais au final, on n'en sait pas plus, parce que parfois, dans la vie, c'est comme ça. Et il y a pas mal de décisions scénaristiques qui vont dans ce sens-là, qui, personnellement, ont peut-être un peu frustré par moments, mais a posteriori, ont renforcé mon impression d'être vraiment à Night City et de jouer, justement, mon personnage V. Alors, honnêtement, encore une fois, c'est ce qui va assez transparaître dans cette review, c'est que oui, un peu plus de temps de développement aurait été sympa, parce que par exemple, quand on finit des quêtes pour devenir ami avec un personnage ou avoir une romance avec un personnage, on aimerait bien pouvoir revenir avec ce personnage et peut-être lui proposer, je sais pas moi, d'aller faire un bowling ou d'aller pêcher ou je ne sais quoi. Ça, c'est des choses malheureusement qui, j'ai l'impression, ont été coupé au développement de Cyberpunk. En gros, on a des quêtes scénaristiques qui vont aller d'un point A à un point B, et ensuite, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des conversations par téléphone avec ces personnages-là. Généralement, quand vous avez fini un pan de quête avec un personnage, vous n'aurez pas plus d'activité derrière. Alors, il n'est pas impossible que dans le futur, on puisse le faire, parce que je pense que Cyberpunk 2077, avec les 13 millions de jeux qu'ils ont vendus sur Steam, ils ont de quoi voir venir, et je pense qu'on va avoir des choses très très lourdes dans le futur. Mais voilà, c'est peut-être le seul petit défaut dans un jeu qui mise vraiment beaucoup sur son cast secondaire qui me chagrine un peu, c'est de pas pouvoir aller un peu plus loin et d'avoir une vie un peu normale dans les rues de Night City avec nos amis. Et c'est un truc qu'on aurait bien aimé. Par contre, un ami qu'on a, eh bien, c'est Johnny Silverhand. Alors, sans rentrer dans le détail, c'est un personnage qui va vous accompagner tout au long de votre aventure et qui est incarné du coup par Keanu Reeves. Alors, on m'avait déjà fait la réflexion quand j'avais parlé dans ma revue de presse que ça serait un spoil. Oui, c'est un spoil si vous avez jamais vu un seul trailer de votre vie de Cyberpunk 2077, mais à ce moment-là, regardez une vidéo review sur le jeu qui présente des images, c'est peut-être déjà pas malin. Oui, Johnny Silverhand, c'est un personnage, sans rentrer dans le détail de ce qu'il va faire avec vous ou quoi sur Cyberpunk. C'est un personnage qui va vous suivre tout au long de votre aventure et c'est excellent, c'est touchant. Et personnellement, dans mon playthrough, j'ai eu une très bonne relation parce que au début, c'est un petit peu compliqué et au final, on peut choisir d'être plus ou moins sympa avec ce personnage. Et c'est touchant. Franchement, sans rentrer dans le détail, c'est très touchant. L'histoire à la fin est très touchante. Je pense qu'il est possible aussi d'avoir une relation un peu violente, un peu dans le refus de coopérer avec ce personnage, chose que je n'ai pas faite, que je me réserve peut-être dans le futur, dans un futur playthrough, même si ça va certainement me rendre triste de le faire. Alors maintenant, je vais vous parler du contenu. On a eu je ne sais combien d'innombrables histoires avant la sortie de Cyberpunk qui disaient « Oh là là, le jeu est trop court, scrogneugneux, qu'est-ce qui se passe ?» Alors franchement, j'ai l'impression que les gens débarquent d'une autre planète ont vraiment pris des positions pour prendre des positions et pour faire du bad buzz. J'ai joué 70 heures au jeu, alors j'ai fait quasiment tout le jeu scénarisé, effectivement, comme je vous le disais. Les quêtes secondaires, elles m'ont pris entre 30 et 40 heures, je dirais. La quête principale, je dirais qu'elle m'a pris 25 heures environ. Pour être honnête, il y a un moment dans l'histoire de la quête principale où on se dit ça va un petit peu trop vite vers la conclusion, c'est vers la fin, les deux tiers de l'histoire principale. Les développeurs ont d'ailleurs expliqué qu'ils ont un peu coupé en fait l'histoire principale parce qu'a priori les testeurs leur auraient dit que le jeu était trop long.
Personnellement, je l'ai un peu ressenti. C'est pas quelque chose que j'ai vu dans d'autres reviews quand j'avais fait ma revue de presse pour le coup. Mais j'ai senti qu'à un moment dans l'histoire, on fait un raccourci, ça s'accélère et on arrive quasiment à la fin du jeu. Je sais pas pourquoi ils ont pris cette décision. Je dois dire que d'un point de vue général, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je mettrai pas 20 sur 20 au jeu, mais que je lui mets 19 sur 20 parce que c'est un jeu extraordinaire. C'est que effectivement au niveau de l'histoire principale, je trouve qu'à un moment il y a un raccourci qui est fait et que ça va un petit chouïa trop vite. Cela dit, l'histoire principale est à tomber par terre, la scénarisation de celle-ci est très très bien. Tout est génial. Franchement, tout est génial, mais c'est un peu comme si on avait loupé un épisode ou 2-3 épisodes d'une saison de 15 épisodes, quoi. Et c'est un peu dommage parce qu'on aurait voulu en avoir plus. Pour ce qui est des quêtes secondaires, honnêtement, j'aurais voulu en avoir plus, mais on en a largement assez. Et ce qu'il faut comprendre avec Cyberpunk 2077, c'est que si vous jouez au jeu pour le rusher en 20 heures, vous perdez tout l'intérêt du jeu. Cyberpunk 2077, faut bien prendre quelque chose en compte, c'est que c'est un jeu scénarisé et que c'est un RPG avant tout. C'est vraiment un RPG avant tout. Moi, il m'est arrivé pendant les premières heures de jeu de passer 2 heures sans tirer une balle, en conversant uniquement avec des personnages du jeu. Et ça m'a fait super kiffer dans un paysage vidéoludique où on est censé exterminer tous les méchants de la planète. Alors vous inquiétez pas, j'en ai éclaté des têtes sur Cyberpunk. Vous ne manquez pas d'activité, vous pouvez effectivement jouer au justicier masqué et éliminer beaucoup d'adversaires. Mais très honnêtement, les quêtes secondaires, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux sur Cyberpunk 2077, parce que ce sont en fait des mini-quêtes principales, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est des histoires que vous allez partager avec des personnes qui vivent dans Night City, et c'est extra. Franchement, ça m'a pris au trip, il y a beaucoup d'histoires secondaires avec des personnages où vous pouvez devenir amis, où vous pouvez avoir des romances, ce qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment pris au trip. Et je vous en dis pas plus, mais si vous voulez jouer à Cyberpunk 2077, je vous le dis, prenez votre temps. Moi, je regrette un petit peu d'avoir fait le jeu en stream, et je me suis pressé de le faire pour pouvoir faire cette vidéo review 2 semaines après la sortie du jeu. Quand je dis pressé, c'est que j'ai joué 70 heures en 2 semaines, ce qui est énorme. J'aurais préféré faire le jeu en 150 heures en lisant tous les messages que j'ai reçus dans le jeu, en lisant toutes les descriptions de quêtes, en lisant tout et en prenant vraiment le temps de découvrir le monde. Parce que certes, le jeu aurait mérité peut-être d'avoir un petit peu plus de densité, mais honnêtement, c'est largement suffisant pour s'y émerger de façon dure, et c'est extra. Pour ce qui est des quêtes tertiaires, des contrats, des agressions, c'est un peu ce qui fait le nerf du jeu quand vous avez juste envie de relâcher la pression. Moi, il m'est arrivé par exemple de faire une quête secondaire qui m'a rendu fou à cause de la fin, et bah j'allais faire des contrats où je devais aller descendre par exemple dans un quartier de la ville pour la récupérer un document. Tous ces contrats sont scriptés, il y a une petite histoire à chaque fois, mais c'est pas scénarisé. C'est très sympa à faire, et d'ailleurs il m'en reste pas mal à terminer parce que c'est vraiment beaucoup de trucs qu'on peut faire à la chaîne. Voilà, vous en avez largement pour votre argent quand vous achetez Cyberpunk 2077. Je vais vous parler du gameplay maintenant. Alors le gameplay, j'ai vu pas mal de gens qui disaient que c'était pas satisfaisant. Alors je sais pas trop de quelle planète il débarque, je vous avoue, moi je fais du FPS depuis 4 ans sur ma chaîne principale, ça fait 20 ans que je joue au jeu, et globalement je pense que les 3 quarts du temps de mon temps de jeu depuis 20 ans, c'est des FPS. Le gameplay de Cyberpunk 2077 est satisfaisant. Les armes ont un véritable recul, ont du kick. Ça, franchement, y a pas aucun doute en fait à avoir là-dessus. Et je pense que c'est limite malhonnête en fait de dire que le gunplay, bon, il peut ne pas être satisfaisant pour certaines personnes, mais qu'il soit naze, objectivement, c'est faux. Ce qui est désastreux sur le jeu, et peut-être que c'est des gens qui savent pas forcément mettre le bon curseur au bon endroit, c'est l'intelligence artificielle. Oui, franchement, l'intelligence artificielle de Cyberpunk 2077, on a l'impression d'être en 2005 par moment, vraiment. Et je pense que c'est un truc qui aurait vraiment, 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 vraiment gagné à être mieux. Alors après, moi, j'ai joué à Cyberpunk 2077 dans l'optique de me dire, voilà, je suis un humain augmenté, je mets des balles automatiques avec mes fusils intelligents. Passé la 30aine d'heures de jeu, c'est à peu près le moment où j'étais vraiment très, très puissant sur le jeu. Et ça arrivait beaucoup trop vite selon moi, je me suis fait à l'idée que voilà, j'étais très fort et que c'était un peu le fantasme aussi de Cyberpunk, à savoir d'arriver dans un groupe de 5 personnes, j'ai joué à tout le jeu en Veryarn, et de tous les détruire.
Il y a des trucs qui sont complètement abusés sur le jeu. J'avais un gun à la fin du jeu qui mettait des 750 000 de dégâts à travers les murs, alors que j'ai 450 HP. Je pense que le gun est buggé, je vous avoue. Il y a pas mal de trucs qui le sont. Il y a une arme iconique que vous avez peut-être déjà dû voir qui met des headshots automatiques. Je vous en dis pas plus. Oui, l'équilibrage, c'est aussi un des trucs les plus nazes du jeu. Moi, j'aurais aimé me faire plaisir et pouvoir continuer à avoir du challenge. Là, je sais que par exemple, les quêtes secondaires que je vais finir par faire, enfin les contrats, je vais rouler dessus. Et ça me rend un petit peu triste. Mais bon, c'est la vie et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je vais mettre un 18 sur 20 au jeu, même si dans mon cœur c'est un 22 sur 20. Voilà, franchement, le gameplay est satisfaisant, le hacking est sympa, mais en fait, peu importe le niveau que... Enfin, peu importe l'arbre de talent dans lequel vous allez vous investir, que ce soit les guns, que ce soit le hacking, etc., vous allez devenir OP pour peu que vous fassiez des quêtes secondaires. Et je pense que c'est l'idée aussi, c'est que si vous faites par exemple la quête principale uniquement, vous arrivez niveau 20 à la fin du jeu, vous risquez de vous faire dérouler. Alors que si vous faites des quêtes secondaires, vous êtes trop fort. Et je pense que l'équilibrage c'est quelque chose qui peut-être sera corrigé dans le futur, c'est pour ça que le deuxième playthrough de ce jeu, je le ferai pas tout de suite. Je pense que j'attendrai un an peut-être pour qu'il y ait un DLC, des mises à jour, etc. Mais ouais, franchement, je me suis vraiment amusé par rapport au gameplay du jeu et j'ai pris mon pied. C'est ce qu'il faut devait savoir, je pense. Pour ce qui est de la vie dans Night City, je trouve effectivement qu'il manque des choses. Par exemple, on a des échoppes où on voit par exemple une personne qui vend des boissons, mais à laquelle on ne peut pas acheter de boissons. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont fermés aussi. Je pense que c'est des trucs qui ont été enlevés du jeu, parce qu'ils ont dû sortir Cyberpunk à un moment. Il manque d'activités organiques, par exemple, je sais pas moi, se balader dans la rue et voir un personnage. C'est vrai que les gens dans la rue, à moins que ce soit des quêtes scriptées, sont... pas forcément très vivant. Après, il y a tellement de points d'intérêt, il y a tellement de quêtes scriptées que pour arriver au moment où vous n'avez plus rien à faire dans le jeu, je pense que vous en avez bien pour 100 heures, ouais, je pense. Ben voilà, à un moment, quand vous jouez à 100 heures au même jeu, c'est que vous l'avez peut-être terminé. Donc voilà. Après, voilà, je trouve que tout est un peu trop cartographié. Et je pense que les développeurs se sont achinés à faire ça pour permettre aux gens de tout expérimenter. Et c'est vrai que c'est sympa de savoir que voilà, là je vais aller là, je vais avoir une quête, plutôt que d'enlever les points d'intérêt. C'est une décision de design. S'ils avaient enlevé tous les points d'intérêt, je pense qu'on n'aurait pas eu toutes les quêtes de disponibles. Ça aurait été frustrant aussi. Voilà, ça c'est une décision. Pour ce qui est du coup des gros défauts du jeu. Les bugs, il y a des bugs. Franchement, dernière quête du jeu par exemple... on doit prendre un ascenseur, il y a un mec qui est posé devant l'ascenseur, on sait pas pourquoi. On est obligé de se coller au mec, enfin j'ai été personnellement obligé de me coller au mec, reload ma save pour pouvoir passer à travers lui et monter dans l'ascenseur. Et heureusement que j'ai vu la solution sur internet. Honnêtement, j'ai pas vu trop de bugs gênants dans mon gameplay sur 70 heures. J'ai eu des bugs, j'en ai eu un où j'ai dû reload ma save au bout de 4 heures de jeu au prologue. Ça m'est arrivé une deuxième fois aussi pour une quête qui ne se lançait pas. Et à la fin du jeu, ce qui est assez quand même marrant, ce bug de l'ascenseur. En 70 heures de jeu, par contre, j'ai eu des bugs, des PNJ en posté, des trucs de clipping, des trucs un petit peu absurdes. Mais globalement, dans mon expérience, j'ai pas eu des bugs qui ont ruiné mon expérience de jeu. Alors, il y avait eu des soucis. Là, il y a eu un correctif qui est passé qui fait que vous pouvez avoir des sauvegardes de plus de 8 mégas. Mais beaucoup de gens ont perdu leur sauvegarde si celle-ci faisait plus de 8 mégas sur PC notamment. C'est ultra frustrant, il n'y a aucune excuse pour le coup sur ce truc, c'est quelque chose qui personnellement m'aurait probablement dégoûté et j'aurais certainement arrêté de jouer. Voilà, j'ai pas trop quoi vous dire sur les bugs, ça sera corrigé, malheureusement c'est quelque chose qui est assez normal pour un jeu de cette envergure. Je dis pas acceptable, mais normal. Je pense que le jeu aurait mérité d'être sorti un an plus tard. L'intelligence artificielle, je vais vous le dire, hein, c'est désastreux. Franchement, c'est le pire truc du jeu. Si je vous ai dit que le son, c'était certainement un des meilleurs trucs du jeu, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il y a de pire. C'est nul. Franchement, c'est nul. À part les rencontres avec les boss, qui sont globalement assez réussies. L'intelligence artificielle des mercenaires que vous rencontrez dans la rue, des PNJ, etc. C'est nul. Je vais pas m'attarder dessus, mais c'est vraiment nul. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Et l'équilibrage, je trouve qu'il serait franchement à revoir si vous faites des quêtes secondaires, vous allez devenir un petit peu trop fort, trop rapidement. Surtout si vous visez les têtes et que vous jouez avec des revolvers ou des snipers.
Et voilà, il va falloir bien conclure cette vidéo. Alors si vous prenez le temps de jouer à Cyberpunk et vous prenez le temps de prendre le temps, vous ne sortirez pas indemne de cette aventure. Le cast secondaire est phénoménal, même si on a vu ce genre de prouesse dans d'autres jeux, ce qui frappe avec Cyberpunk, c'est la multitude de personnages secondaires qui vont vous en vouloir, vous aimer, vous détester, vous apprécier, vous aider en fonction des choix que vous faites. Et c'est très, très, très réaliste et très immersif. Et franchement, bravo à CD Projekt parce que on a vraiment l'impression de vivre avec eux et c'est extra. C'est un jeu en plus qui n'est pas manichéen dans sa façon de présenter les choses. C'est un jeu mature et pas seulement parce qu'on peut occasionnellement voir des personnages dénudés, jouets sexuels et des publicités à quelque chose. C'est vraiment les thèmes qui y sont abordés qui le sont. Je pense pas que ça soit un jeu qu'il faut mettre entre toutes les mains. C'est pas un GTA-like. C'est pas un GTA-like, même si effectivement c'est un monde ouvert dans une grande ville. Je ne pense pas que ce soit un jeu qui s'adresse au même joueur de GTA. Moi, quand j'avais par exemple 12 ans et que je jouais à GTA, je suis pas sûr que j'aurais apprécié Cyberpunk ou que j'aurais eu les clés pour comprendre. Il y a énormément de clins d'œil. Toutes les quêtes du jeu sont des clins d'œil à des morceaux de musique. Et rien que ça, ça me fait kiffer, perso. Pour un jeu gargantuesque comme Cyberpunk, il y aura toujours des bugs, c'est des trucs qui vont mettre du temps à être corrigés, on se souvient par exemple de la sortie de No Man's Sky ou de Skyrim par exemple, et franchement personnellement j'aurais pu attendre encore un an voire deux ans pour jouer à ce chef-d'œuvre, mais c'est peut-être pas le cas des investisseurs qui ont sûrement poussé la sortie du jeu. C'est dommage parce que tous les titres récemment sortis de cette envergure, c'est The Last of Us 2, God of War, ce sont des jeux qui ont écumé de périodes de crunch intenses pour les équipes de développement, et personnellement ça me fait mal au cœur parce que du coup, pour un jeu aussi ambitieux, forcément, des gens en ont souffert à un moment dans leur travail. Je suis pas pressé de jouer à ces jeux pour peu que je puisse y jouer un jour, et j'aimerais bien que l'industrie, de façon générale, soit un petit peu plus relaxée quant au fait de sortir des jeux. Honnêtement, on aurait pu jouer à Cyberpunk en 2021, les gens auraient peut-être gueulé au scandale, mais je sais pas. Je trouve ça dommage. Peut-être que le jeu est sorti un peu trop tôt, même si clairement on peut y jouer aujourd'hui. Prendre plaisir. Pour conclure, est-ce que je vous recommande de jouer à Cyberpunk 2077 ? Oui. Honnêtement, je vous recommande de jouer à Cyberpunk 2077, c'est un jeu grandiose. C'est un de mes 5 jeux préférés, je pense. Enfin, j'étais fan de Witcher 2, 3 et 1. C'est excellent, mais jouez-y sur une bonne plateforme. N'hésitez pas à attendre un petit peu de vous acheter une version PlayStation 5 ou Xbox Series X dans le futur, par rapport au jeu qui sera mis à jour. Corrigé, avec moins de bugs, je pense que l'expérience deviendra de plus en plus bonne. Mais si vous avez envie de passer le pas aujourd'hui, que vous avez une bonne config, foncez, vous n'allez pas regretter. Je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur parce que j'avais envie de vous partager cet amour que j'ai pour ce jeu et ce profond respect que j'ai pour les équipes de développement de chez CD Projekt Red. Et pour ce qui est de la recommandation ludique du jour, je vais pas faire original aujourd'hui, mais je suis obligé de vous conseiller de voir Matrix avec Keanu Reeves dans le rôle principal. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous qui avaient regardé cette vidéo jusqu'à la fin avaient déjà vu Matrix, et si ce n'est pas le cas, vous êtes obligé de regarder Matrix si vous voulez jouer à Cyberpunk 2077. Ne serait-ce que pour les innombrables clins d'œil qu'il y a dans le jeu. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Ciao les bandits.